Bon les gars, bienvenue dans la vidéo du jour, bienvenue pour l'astuce du jour, comment passer des fils électriques dans une gaine. Dans mon cas, c'est une gaine de 25, ça pourrait être une gaine de 16, de 20, voire 32, vous avez plusieurs fils à passer, j'en ai 5 sur 20 mètres, et eh bien je vais vous montrer qu'on peut les passer très facilement, très rapidement, sans galérer, et à la limite, on n'a rien à faire. Il y a juste à préparer la gaine, les fils, on prend une perceuse, le forêt, le tire-fil, on l'attache dans le mandrin, on va faire le tour du forêt et on a juste à appuyer. Et vous allez voir que ça déroule tout seul. Il faut maintenir la gaine au sol. Vous mettez des poids dessus. Alors pas trop lourd pour ne pas l'écraser. Quelques poids, tous les 2 mètres par exemple. La gaine est maintenue au sol et les fils vont passer directement dedans. Donc il vous faut la perceuse. On attache bien les fils électriques au tire-fil et ensuite ça déroule tout seul. Bon, c'est plutôt concluant, ça marche tout seul. On a juste à appuyer sur la machine, perceuse, forêt, le tire-fil coincé dans le mandrin, on enroule. Et voyez, je vous l'ai dit, ça déroule tout seul. Donc, si ce genre de vidéo vous plaît, les petites astuces avec des formats ultra courts, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.